Tentation. Ok, j'ai eu l'idée maintenant. Donc, du coup, voilà. Donc, elle est installée dans plus de 120 pays. Elle a des bureaux sur tous les continents. Donc, je vous le rappelle, moi, à la base, donc, je suis juriste de formation. Quand j'étais à votre place, j'étais en mode sniper sur cette présentation et j'ai voulu tout savoir, les coulisses, tout. Alors, du coup, cette société-là, peut-être que vous le savez, mais s'installer juridiquement en France, c'est très compliqué. Parce qu'en France, on va avoir des mesures fiscales, des normes fiscales juridiques qui sont très compliquées. Et donc, du coup, je suis allée chercher ce qu'il fallait chercher. Je suis sur un site qui s'appelle société.com. Société.com répertorie donc les sociétés légalement enregistré donc en France, donc pour pouvoir exercer en France, il faut être immatriculé au registre du commerce des sociétés, donc c'est le tribunal de commerce en France. Donc ici, on peut voir que bah, elle a son numéro SIRET, son numéro SIREN, c'est le numéro d'immatriculation d'une société, donc c'est un peu sa carte d'identité. Et je suis également allée sur le site de l'INPI. L'INPI, c'est un organisme français qui protège donc la propriété intellectuelle et industrielle, c'est-à-dire que cette société-là voit son nom protégé. Aucune personne, aucune société ne peut exercer en ce nom-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Si demain, vous voulez ouvrir un fast-food, vous ne pourrez jamais vous appeler McDonald's. Pourquoi? Parce que ce nom-là est juridiquement protégé. Cette société-là donc, est reconnue par l'État et est reconnue donc, par les États du monde. Voilà. C'était une précision qui était importante pour moi parce que je souhaite vraiment vous montrer que la présentation que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose de carré, c'est quelque chose de sérieux. La plateforme de voyage qu'on va voir juste après, elle est dotée de tous les agréments nécessaires. Le tourisme est une profession réglementée, donc c'est très important de le préciser. Quel est l'objectif ici? L'objectif ici, c'est de révolutionner l'industrie du voyage. Alors, vous connaissez certainement Booking, Expedia, les agences de voyage physiques, c'est tout ce qu'on connaît. Vous avez remarqué, la société de consommation continue à évoluer, et pourtant, cette industrie stagne. Donc, l'idée, c'est de la révolutionner un petit peu comme Netflix a pu le faire pour l'audiovisuel et Spotify pour la musique. C'est également de rendre le voyage accessible à tout le monde. Donc, l'industrie du voyage, il faut savoir que c'est la plus grosse industrie au monde, devant l'or et devant le pétrole, devant toute autre industrie d'ailleurs. Elle représente 9,2 trillions de dollars par an. C'est 9 000 milliards de dollars donc, par an. Et c'est en constante évolution. Alors, je pense qu'ici, tout le monde sera d'accord pour dire que sur Internet, les voyages sont chers. Principalement pour deux raisons. Et la première, la voici. Vous connaissez sûrement certaines de ces sociétés. Il n'y en a pas 50. En réalité, il y en a deux. Booking, Expedia. Quand vous allez sur Kayak, en réalité, vous allez sur Booking. Quand vous allez sur hotel.com, en réalité, vous allez sur Expedia. Et ces deux groupes utilisent un très vieux modèle économique de vente. C'est-à-dire qu'ils se servent chez le grossiste, ils achètent à prix brut, ils revendent avec une marge et ils ont également des dépenses annexes. Par exemple, je vais vous emmener sur un site officiel qui s'appelle l'Artiref. Si j'arrive à y aller, ça m'a tout bougé. L'Artiref, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui répertorie l'hôtellerie numérique. Alors, quand on observe bien, on peut voir que le budget publicité de Booking est de 4 milliards par an. La masse salariale est de 2 milliards par an. Et bien évidemment, ils ont des loyers à payer dans le monde entier. À votre avis, ça se répercute sur qui? Sur le consommateur final. Voilà pourquoi est-ce que les voyages sont chers sur Internet. Et en général, Yoni Achourov s'est rendu compte que le voyage, c'était le rêve de tout le monde, mais que malheureusement, ce n'était pas tout le monde qui pouvait se le permettre. Il a alors créé cette société et ils sont propriétaires de la plateforme de voyage qu'on va voir juste après. Vous connaissez bien la différence entre être propriétaire et locataire. Niveau pérennité, il n'y a rien à dire. Et ils sont chez eux, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font évoluer le service à souhait. Il n'y a pas de concurrent ici. Ils achètent chez les mêmes fournisseurs que Booking et Expedia, simplement. Ils revendent quasiment, je dis quasiment, à prix fournisseur. Pourquoi quasiment? Puisqu'on ne peut pas revendre à prix brut, ça c'est illégal. Hein, sinon, ça s'appelle de la revente à perte. Donc, il y a une très faible marge, mais ce n'est pas là-dessus qu'ils font leur beurre, si je peux dire ça comme ça. La deuxième différence, c'est que vous n'avez jamais vu de publicité de cette société pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Elle fonctionne par le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est le mode de communication le plus puissant qui existe. Je vais vous donner un petit exemple également. Les gens connaissent Netflix depuis 4-5 ans, mais est-ce que vous êtes au courant que Netflix existe depuis 1997? Comment est-ce que cette société s'est développée? Vous ne l'avez jamais vue à la télé. Elle s'est développée par le bouche à oreille. Alors maintenant, ce que vous allez voir, c'est la seule plateforme de voyage au monde, et je répète, c'est la seule plateforme de voyage au monde qui propose un service pareil et aussi complet. Vous pouvez tout réserver. Hôtel, vol, voiture, croisière, resort all inclusive.
On a des transferts aéroport-hôtel, des forfaits hôtel plus vol, des activités, les séjours, c'est des Airbnb. Il y a également des trains, des offres flash de dernière minute et on a aussi un lifestyle mall. Alors ça, c'est un shopping en ligne où il est possible d'acheter vêtements, montres, parfums, sacs, chaussures, tout ça à prix grossiste. Alors, je parle de société de consommation depuis le début, mais je continue là-dessus parce que vous avez vu, aujourd'hui, les gens sont impatients. Tu commandes un truc sur Amazon, tu l'as devant ta porte le lendemain. La réalité, c'est qu'une personne qui souhaite voyager aujourd'hui, elle met plus d'un mois à réserver son voyage. Elle va aller sur tous les sites possibles et imaginables pour trouver les meilleures offres, etc. Je vous montre la plateforme. Ici, c'est un gain de temps, mais c'est également un gain d'argent. Donc, ça ressemble à une plateforme classique. Ils ont créé leur application mobile qu'on peut télécharger. Ils mènent également des actions humanitaires. Et je vous parle de ça juste après. Alors, je vais vous faire une petite comparaison. Donc, imaginons, alors je suis actuellement à Dubaï. Donc, du coup, ben, écoutez, je vous emmène avec moi à Dubaï. Donc, je prends Dubaï et on va prendre, par exemple, voilà. Alors, je suis carrément dans du last minute, hein, c'est la semaine prochaine. Je vais lancer la recherche. Vous allez voir jusqu'ici, absolument rien de révolutionnaire puisque la plateforme est en train de rechercher les meilleures offres, tout simplement. On va retrouver les filtres classiques sur le côté, quoique il y a même des filtres qui n'existent pas sur Booking, comme centre de remise en forme, animaux acceptés, etc. Ça, c'est des choses qui n'existent pas sur Booking. En attendant, je vais donc aller sur Booking pour qu'on puisse faire une comparaison. Alors, les personnes qui ont l'habitude d'aller sur Booking, je vous préviens, asseyez-vous, puisque vous n'aurez plus envie d'aller sur Booking. Et les personnes qui n'y allaient pas, bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que vous n'irez jamais, puisqu'après avoir vu ça, je pense que vous n'aurez même pas envie d'y aller. Alors, vous voyez, ça commence à bugger un petit peu la connexion. OK. D'accord. C'est très bizarre. Ma page Booking, elle est bizarre. Bon, c'est pas grave. OK. Alors, donc là, on va retrouver des hôtels qui sont classés par ordre de réduction. Voilà. Je vais vous en comparer un. Alors, vous voyez, par exemple, là, je viens de voir le Class Hotel Apartment. Bon, il y a les photos qui arrivent, mais c'est ma connexion qui n'est pas terrible. Le Class Hotel Apartment, j'ai été pendant 15 jours dans cet hôtel-là. Donc, je peux vous dire que ben, je suis ravie des économies que j'ai pu faire. Et là, je suis dans un nouvel hôtel. Je vais même vous montrer les économies que j'ai fait. Alors, je vais vous en comparer un. Bon, admettons que je prenne le premier. Vida Creek Arbor. OK. Donc, du 19 au 26 mars. OK. Du 19 au 26 mars. Une chambre pour deux adultes. La même comparaison. Même hôtel, tout pareil. Ici, ça coûte 1723 plus 413 de taxes. Bon, ça fait du 2000 euros environ, même plus que ça, sur Booking. Je retourne sur la plateforme de voyage. Même hôtel, tout pareil, vous allez le retrouver à 780 euros, toutes taxes comprises. Le prix moyen de détail, c'est le prix qu'on a vu ensemble sur Booking. C'est le prix que vous allez trouver sur Internet en moyenne. En moyenne, vous allez faire des économies de 1389 euros. Qui a envie d'aller sur Booking après avoir vu ça? Honnêtement, je vous le dis, moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est terminé. Mais je pense que vous connaissez des personnes autour de vous qui vont sur Booking. Vous n'avez pas envie de leur dire, arrêtez, moi, j'ai un meilleur plan. Ben, bien sûr. Pourquoi ces prix? Parce qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de masse salariale, il n'y a pas de loyer à payer dans le monde entier. Ce que vous voyez là, c'est réel. Et là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis dans un hôtel actuellement. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur Dubaï, sur le col, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait une réservation, mais vraiment en dernière minute. Hein. Date de réservation, le 27 février pour le 28 février. Et je suis donc ici jusqu'au 15 mars. Donc, je suis au Mercure Hotel Apartment Dubaï Barsha Heights. Donc, pour les personnes qui sont de ces quartiers. Alors, du coup, sur Booking, j'aurais dû payer ça 3300 euros. Je l'ai payé 1688 euros. Et donc, du coup, ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas précisé, à chaque fois qu'on fait une réservation, on gagne des crédits voyage. Vous voyez, donc les crédits voyage dépendent du prix final. Plus le prix est élevé, plus on gagne de crédits voyage. Donc là, pour cette réservation, on divise toujours par 100. C'est comme si vous gagnez 19,55 € que vous pourrez accumuler ou alors déduire sur une future réservation. Moi, du coup, j'ai gagné 46,34 €. Il faut savoir une chose, c'est que sur cette réservation, j'ai déduit les crédits voyage que j'avais déjà. J'avais 64,84 €
je les ai déduits du prix. Donc à la base, vous voyez, il était à 1787. Donc j'ai déduit mes crédits voyage et le prix final a été à 1688. Voilà. Alors je n'ai jamais pu me payer quelque chose comme ça. En toute transparence, si vous voyez quelque chose, tant mieux pour vous. Ça, c'est l'hôtel. Je suis dans une suite. Jamais j'aurais pu faire ça. J'ai une vue de dingue aussi. Bon, peut-être que vous n'allez pas voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je tente. Voilà. Si vous aviez des doutes, j'espère qu'ils sont tous effacés. Donc, maintenant, je continue la présentation. Sachez une chose, c'est que quand on arrive au moment du paiement, on a la possibilité de faire un don à une association qui aide les enfants dans le monde. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous voyez, on fait des économies ici. Quand tu arrives au moment du paiement, tu as la possibilité de faire un don. Ça veut dire que si tu fais un don de 20 euros, la plateforme s'engage à doubler ta mise. Si tu donnes 20 euros, c'est 40 euros qui vont à l'association. Où est-ce que vous avez vu ça? L'association s'appelle Partage avec les enfants du monde et c'est même une association française que je connaissais avant. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un shopping en ligne. Donc, je vous rappelle, on a tout ce service-là, je vous parlais d'un shopping en ligne. C'est un petit peu comme un duty-free, si vous préférez, qu'on pourrait retrouver dans les aéroports. Avant de vous montrer, j'ai moi-même une expérience avec ça. Alors, du coup, j'ai acheté deux sacs. J'ai acheté un sac Michael Kors et un sac Valentino. Je suis en train de vous montrer, du coup, ma commande. Je suis allée voir alors, je ne sais pas si vous connaissez les Galeries Lafayette. Bon, c'est des grands magasins. À Paris, je suis allée voir, j'aurais dû payer 400 euros, ok? Voilà, je vous laisse lire, j'en ai eu pour 177 euros les deux. Vous voyez ce sac-là? Ah ben, il est là. Ok, donc, je vais vous montrer en direct aussi donc, le shopping en ligne. Le principe est exactement le même que sur les voyages, c'est-à-dire qu'on va retrouver... Donc, admettons, vous connaissez cette marque, Tissot, tout le monde connaît. Alors, admettons, le prix moyen en magasin de cette montre serait de 619 euros. Vous allez faire des économies de 257 euros, comme moi, j'ai pu faire des économies sur mes sacs, finalement. Et le prix final sera de 352 euros. Vous gagnez également des crédits voyage sur chaque achat du shopping en ligne. On les divise toujours par 100. Donc, ça ferait ici 19,15 euros. Que vous pourrez accumuler ou bien déduire sur une future réservation. Voilà, je vous ai montré le service. J'espère que déjà ce que vous avez vu là vous a plu. En tout cas, je continue. Je continue la présentation. Sachez qu'il y a une garantie prix bas à hauteur de 150%. C'est-à-dire que si vous trouvez moins cher ailleurs sur hôtel ou resort, vous serez remboursé 150% de la différence. Je vous souhaite un très bon courage pour trouver moins cher ailleurs. Pour avoir accès à ce service, trois possibilités. Vous avez certainement remarqué qu'aujourd'hui, plus ça va, plus il y a des abonnements pour tout. On en a pour aller chez le coiffeur, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. Il y en a pour tout. Dans le voyage, est-ce que vous avez déjà vu ça? Je connais déjà la réponse. C'est non. C'est la seule société au monde qui propose un abonnement dans le domaine des voyages. Et ça coûte moins cher qu'un abonnement Netflix. 16 euros par mois pour avoir accès aux hôtels, vol, forfait hôtel plus vol, location de voiture, croisière et resort. 16 euros par mois. Je vous parle en euros, sinon ça fait 20 dollars américains par mois. C'est sans engagement. Par contre, je sais qu'ici, beaucoup de personnes sont intéressées par la partie business. Je pense que tout le monde est intéressé pour faire un petit complément de revenu. En tout cas, personne ne s'y assoit dessus. Sachez une chose, c'est que ce qu'on vient de voir là, oui, c'est révolutionnaire. Ce qu'on vient de voir là, c'est une plateforme de voyage qui va connaître un succès planétaire à l'image de Netflix aujourd'hui. Rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, démarrer un business, c'est des milliers d'euros. Il faut faire un apport personnel, un prêt à la banque, trouver un local, acheter du matériel, faire la clientèle, fidéliser la clientèle, blablabla. Ici, vous pouvez démarrer un business pour 185 euros, une fois. Pas tous les ans, pas tous les mois, une fois. Avec cette carte pro, vous aurez accès à tout ce qu'il y a dans le VIP, plus train, séjour et activité. Me concernant... Pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, j'ai démarré dans une situation financière minable. J'étais endettée de 18 000 euros, ce n'est pas le pack que j'ai pris. J'ai pris le pack le plus cher. Le pack le plus cher est à 260 euros, 290 dollars américains, une fois. Avec ce pack-là, on a accès à tout le service, shopping en ligne, tout, absolument tout. Et vous aurez également la possibilité de faire profiter 4 personnes de votre entourage proche, 4 personnes de votre famille qui peut-être aujourd'hui ne peuvent pas voyager, d'avoir accès à votre plateforme de voyage, de voyager sans que vous soyez là,
Et ces personnes, quand elles vont faire des réservations, c'est vous qui allez récupérer les crédits voyage parce que c'est votre plateforme de voyage. Je vais maintenant apporter une précision importante. Il y a des personnes qui sont là uniquement pour voyager avec le pack pro ou avec le pack élite, puisque comme vous le constatez, le service est plus étendu avec le pack pro et avec le pack élite plutôt qu'avec le pack VIP. Okay ? Ces personnes-là payent un abonnement mensuel. Vous comme moi, quand on paye l'abonnement de téléphone tous les mois, l'argent qu'on paye tous les mois, on n'en reverra plus jamais la couleur. Eh bien là, ce n'est pas ça. Il y a des personnes qui payent un abonnement mensuel, par exemple avec le pack élite. C'est 100 euros par mois qui ne sont pas perdus. 100 euros qui vont sur un plan épargne voyage. Avec tout l'argent accumulé, les personnes peuvent partir en voyage ou l'utiliser sur le shopping en ligne. Où est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce que ton opérateur de téléphone, quand tu payes tous les mois 20 euros, à la fin de l'année, il te donne un bon d'achat pour te dire « Tiens, c'est un bon d'achat, va t'acheter un téléphone ». Jamais. Par contre, quand on fait la partie business, il y a la possibilité d'auto-financer de manière très simple cette mensualité et c'est ce que je vais vous montrer après. Du coup, la seule chose qu'il y aurait à payer, c'est 260 euros une seule fois. Est-ce que vous avez vu les économies qu'on a fait ? Dès votre premier voyage, c'est rentabilisé. Ou dès votre premier achat sur le shopping en ligne, c'est rentabilisé. Je pense qu'ici, personne ne trouve ça cher en réalité. Mais maintenant, je vais vous montrer la partie business. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Les 260 euros que vous mettez, je rentre dans la partie business maintenant. Il y a des personnes qui font du complément de revenus, il y en a qui gagnent leur vie avec. Il y en a qui font du complément de revenus et quand ils gagnent pareil qu'à leur boulot, ils arrêtent leur boulot et ils font que ça. Les 260 euros, du coup, ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. À l'intérieur, vous aurez un site internet à votre nom. Vous savez, un site internet, ça peut coûter 2000 euros l'année. Ma maman est chef d'entreprise. Elle paye son site internet 2000 euros par an. Ici, il est compris dans les 260 euros. Il y a également un accompagnement démarrage. L'inscription, ça prend 2 minutes. Je vous montre après à la fin comment faire. Vous demanderez à la personne qui vous a invité sur ce Zoom de vous inscrire si vous êtes intéressé. Et derrière, on vous fait une formation de démarrage. Je pourrais même vous faire une formation de démarrage avec grand plaisir. Et je vous expliquerai comment bien en parler autour de vous. Ce n'est pas compliqué. Derrière, on va faire les présentations pour vous comme je suis en train de le faire maintenant. De fil en aiguille, vous serez en capacité de les faire également. Mais il y a un vrai accompagnement, il y a un vrai suivi. Vous avez également des outils marketing. Le PowerPoint que vous voyez maintenant existe également dans d'autres langues. C'est-à-dire que vous pouvez vous développer à travers le monde entier. On a aussi des formations qui sont gratuites. Elles sont en direct ou en replay et vous pouvez les voir autant de fois que vous voulez. On a une académie. On a une académie avec des formations dans plusieurs langues. Mais j'ai également créé, pour ma part, un lien Drive à destination de mes équipes afin qu'elles puissent se former de manière simple, à n'importe quelle heure, du jour comme de la nuit, peu importe. Voilà. Ensuite, on a également une carte bleue Visa, en toute transparence. La mienne est là. OK ? Alors, avec cette carte, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller retirer de l'argent au distributeur. Cette carte est reliée à un portefeuille en ligne qui ressemble à un PayPal. C'est un peu comme ça. Soit vous utilisez la carte, soit vous faites des virements sur votre compte bancaire, tout simplement. Je ne sais pas dans quel pays est-ce que vous êtes. En tout cas, en France, une carte bleue, c'est au moins 150 euros l'année. Là, c'est compris dans le pack à 260. On a aussi une application mobile et on a accès à la plateforme de voyage qu'on a vue juste avant avec toutes les réductions qui en découlent. Voilà ce que vous avez pour le pack à 260 euros. C'est plutôt pas mal. Je vous parlais d'une mensualité. 100 euros par mois que certaines personnes payent qui vont sur un plan épargne voyage. Je vous disais qu'il était possible de l'auto-financer de manière très simple et je vous explique maintenant. Certaines personnes vont rire quand vous allez voir la simplicité de la chose. À chaque fois que vous allez en parler à une personne qui va prendre le pack VIP, ça va vous rapporter 0,5 points. Le pro, 2 points. Le élite, 3 points. Aucun suspense, c'est écrit sur la slide. Pour autofinancer, il faut seulement 9 points. 9 points, c'est quoi ? C'est 3 élites, c'est 5 pros ou des mélanges. Qui autour de vous n'aime pas les voyages ? Tout le monde aime les voyages. Les personnes qui voyagent déjà, vous allez leur montrer quelque chose pour voyager moins cher. Bien sûr qu'elles sont intéressées. Elles vont augmenter leur pouvoir d'achat. Et les personnes qui ne voyagent pas, c'était mon cas, ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas, c'est parce qu'elles ne peuvent pas. Et grâce à vous, elles pourront se permettre de le faire. Alors oui, on a vu les économies tout à l'heure. Honnêtement, vous pensez qu'on peut garder ça pour nous ? Moi, je ne peux pas.
on a vraiment du bien à faire autour de nous. J'ai vraiment ce sentiment-là d'offrir un cadeau à la personne à qui j'en parle à chaque fois que je fais cette présentation. Et là, je ne vous parle que sur le plan des voyages, puisque sur le plan business, qui autour de vous n'aimerait pas gagner plus d'argent? Tout le monde aimerait gagner plus d'argent. Alors autour de vous, par exemple avec le pack Elite, pour vous autofinancer, trouvez 3 personnes autour de vous qui aiment les voyages et ou qui aimeraient gagner plus d'argent. Est-ce que c'est compliqué? Je crois pas. Personnellement, je l'ai fait en 4 jours. Je sais que sur ce call, il y en a qui l'ont fait en 2 heures, il y en a qui l'ont fait en quelques jours. C'est pas compliqué, mais surtout, on est ensemble et on le fait ensemble. Il y a plusieurs sources de rémunération, je vous en montre une. Elle a été déterminante pour moi. Ce que vous allez voir là, ça va être le minimum parce que toutes les sources de rémunération s'additionnent. D'accord ? Je vous parle d'une source de rémunération qui s'appelle le résiduel. Le résiduel, c'est une source de rémunération que vous touchez tous les mois, que vous soyez actif ou que vous soyez passif. Un petit peu comme un propriétaire d'appartement qui a des locataires à l'intérieur. Tous les mois, il perçoit son loyer, qu'il fasse des travaux ou pas. Ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de contrainte de temps. Il n'y a pas de contrainte géographique, on se gère. C'est calculé sur la base de points, c'est les points que je viens de vous montrer juste avant, mais je vais vous parler en termes de personnes pour que ça soit plus clair à comprendre. Et on va faire comme si tout le monde prenait le pack élite, parce que c'est ce que la majorité des personnes prennent. Donc, quand tu as 3 personnes élites dans ton équipe, ça autofinance ta mensualité. Là, tu es silver. À ce stade-là, tu ne gagnes rien. Les 120 dollars qu'on voit sur la droite, là, ce n'est pas de l'argent que tu gagnes. Ça sert à payer la mensualité. Mais à ce stade-là, tes 3 personnes à toi, qu'est-ce qu'elles vont vouloir faire à leur tour? Elles vont vouloir partager le bon plan autour d'elles. Si tes 3 personnes s'autofinancent elles-mêmes, la société va te récompenser à toi parce que c'est grâce à toi qu'elle se fait connaître et tu vas passer gold. Donc là, dans ton équipe, tu vas avoir l'équivalent de 12 personnes. 12 personnes qui doivent obligatoirement être réparties sur 2 branches. C'est pour ça que vous voyez marqué 6 et 6. Et c'est ce que je vous explique juste après, vous comprendrez après. Là, c'est 10 par jour et 300 de minimum par mois. J'ai démarré pour être gold. J'étais endettée de 18 000 euros. Je me suis dit que ça allait rembourser mon prêt petit à petit. J'étais gold en 10 jours. Imaginez 300 en plus que ça fait. Ça permet de payer le loyer, ça permet d'aller faire les courses, ça permet de faire le carburant. En France, il augmente à vue d'œil en plus. Enfin bref, ça permet de faire ce que vous voulez faire. Mais 300 en plus par mois, ça fait du bien. Je suis passée platinum en 1 mois. Là, je vous donne mon exemple, ok ? Sauf qu'il n'y a pas de contrainte ici. C'est-à-dire que tu peux aller plus ou moins vite, c'est comme tu veux. Dans tous les cas, tu peux y arriver. Platinum, c'est l'équivalent de 40 élites. C'est 20 et 20. 40 élites que tu ne trouves pas seul. C'est ton équipe et toi. 20 par jour et 600 de minimum par mois. Je parle encore une fois de minimum parce qu'on a des commissions qui s'ajoutent. J'ai déjà fait un mois à 1200 en étant platinum. Platinum, 600 dollars de minimum par mois. Vous allez percevoir là l'équivalent d'un loyer tous les mois, que vous soyez actif ou passif, sauf qu'à la différence d'un propriétaire d'appartement, vous n'avez pas acheté un appartement à 200 000 euros, vous ne vous êtes pas endetté sur 20 ans, vous avez démarré avec un pack à 260 euros. Qui ici ne voit pas la rentabilité ? Je vais vous apporter donc la précision dont je vous parlais tout à l'heure. Silver, 3 personnes. Soyez bien attentifs à ça. Silver, 3 personnes. Gold, 6 et 6, 12. 12 personnes. Platinum, 40 personnes. OK ? 20 et 20. Imaginons que là où il y a marqué toi, en fait, c'est moi. OK ? Moi, j'ai Pierre, Paul, Jacques. Classique. Je passe Silver. Mais Pierre, Paul et Jacques, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire ? Ils vont vouloir s'autofinancer à leur tour, bien évidemment. Donc, ils vont chacun ramener 3 personnes. Et moi, ça va me faire 12. Et je vais passer gold. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a 6 personnes à droite et 6 personnes à gauche ? Si on avait eu 12 à gauche et 0 à droite, ça n'aurait pas fonctionné. Et ça aurait été un système illégal. Je tiens vraiment à le préciser. Pour les personnes qui ne sont pas arrivées avant, qui viennent d'arriver maintenant, je suis juriste de formation. Okay, donc, du coup, c'est des précisions qui sont importantes pour moi. Ça aurait été ce qu'on appelle un système pyramidal. Je vais apporter la précision maintenant. Un système pyramidal, il y a 2 conditions cumulatives qui le caractérisent. Première condition, c'est qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service.
Arrêtez-moi si vous êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le service, on l'a vu tout à l'heure, et je vous ai même montré moi où je suis aujourd'hui, hein, ma réservation, etc. Le service, bien sûr qu'il est existant. Deuxième condition qui est cumulative à la première. Dans un système pyramidal, les premiers entrants gagnent toujours plus que les derniers entrants. Toujours. Ici, ce n'est pas le cas. Imagine que maintenant, toi, tu es là où il y a marqué 4. Tu démarres après moi. Et tu démarres maintenant. Simplement, tu te développes plus vite que moi. Tu as 20 membres à droite, 20 membres à gauche. Moi, j'en ai 9 à gauche, 43 à droite. Ce n'est pas du tout équilibré. Hein. La balance, là, elle n'est pas du tout équilibrée. Tu as démarré après moi, tu passes platinum. Je reste gold. Tu as démarré après moi, tu gagnes 600, je reste à 300. Pourquoi ? Parce que toi, tu es équilibré. Parce que peut-être que tu t'es plus investi que moi. Alors, dites-moi juste quel métier aujourd'hui vous permet de gagner plus qu'une personne qui a plus d'ancienneté que vous dans votre entreprise. Je n'ai jamais vu. Il n'y a personne pour vous dire ce que vous valez ici. Vous valez réellement ce que vous voulez. Vous valez réellement, vous gagnez réellement ce que vous voulez gagner. Vous savez, avec mes deux masters, on me proposait 1800 euros sur le marché. Mais je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Il n'y a personne ici pour te coller un post-it quand tu arrives à un entretien d'embauche pour te dire, toi, tu vaux 1800 euros parce que quand je regarde ton CV, tu as fait ça comme étude ou tu n'as pas fait ça comme étude. Non, il n'y a personne pour dire ça ici. Tu évolues en fonction de ce que tu produis, tout simplement. Est-ce que vous voyez la puissance, là ? Autre chose, la seule personne qui peut te licencier ici, c'est toi. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais vous partager mon expérience personnelle maintenant. Attention, c'est mon expérience personnelle. Ça ne tombe pas du ciel. Les résultats que j'ai eus ne sont pas tombés du ciel. Il faut arrêter de croire que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. En tout cas, le potentiel d'évolution est beaucoup plus intéressant que nulle part ailleurs. J'ai démarré le 20 mars 2020. Le 4 décembre 2020, 8 mois plus tard, je suis passée Jade. Jade, c'est 1 200 $ de minimum par mois. Généralement, les gens commencent à quitter leur boulot à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tu gagnes pareil qu'à ton boulot, sauf que là, le matin, tu te lèves pour réaliser tes rêves à toi, pas pour réaliser les rêves de quelqu'un, et tu es libre de ton temps, et tu es libre géographiquement. C'est le minimum. Ça, c'est réellement le minimum, parce qu'on a des commissions qui s'ajoutent. En décembre, permettez-moi d'être transparente, hein. En décembre 2020, je n'ai pas gagné 1 200, ok, j'ai gagné 3 000. En janvier 2021, j'étais Jade à nouveau. Je n'ai pas gagné 1 200, mais 4 500. En février 2021, je suis passée Pearl. Pearl, c'est 2 400 de minimum par mois. En 1 an et 2 mois, je suis passée Emerald. 4 500 de minimum par mois. Je ne suis pas là pour me faire un palmarès, hein. Je suis là juste pour vous montrer ce qui est possible de faire, ok ? Ça ne fait pas 2 ans que je suis là encore, je suis Ruby. Ruby, c'est 300 par jour. Je peux être à la plage ou travailler, c'est ce que je vais gagner. 9 000 de minimum par mois. Je ne sais pas si vous, on vous a déjà proposé de gagner des sommes pareilles, mais moi, jamais. Je vous ai dit, on me proposait 1 800. C'est pour ça que j'ai démarré. Parce qu'en fait, là, j'ai réalisé que qu'est-ce que j'ai à perdre à côté de ce que j'ai à gagner ? Rien. En fait, cette activité, là, je suis en train de vous parler réellement avec mon cœur, hein, parce que cette activité, elle a totalement changé ma vie. J'ai une liberté de temps, j'ai une liberté géographique. Je ne peux pas vous dire que je suis libre financièrement, mais en tout cas, j'y vais. Et j'ai à cœur de faire évoluer chaque personne qui rentre dans mon équipe. La dernière chose que je vous partage aujourd'hui, vous connaissez ces sociétés qu'on voit sur la droite, Netflix, Spotify, Uber, Amazon, il y a 15 ans. Est-ce que vous les connaissez ? Non. Pourtant, aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Plus ça va, plus il y a des abonnements pour tout, ben vous venez de découvrir la seule société au monde qui le propose dans le domaine des voyages. Les gens consomment que par abonnement. Donc évidemment, ça sera une évidence pour tout le monde. Cette société-là va s'aligner au rang de Netflix, Spotify, Uber, Amazon. Ayez conscience que c'est des milliards de personnes qui voyagent chaque année. On n'est que 350 000 membres dans le monde. Je vous parle de chiffres. À l'échelle mondiale, on est 7 870 millions d'individus. On n'est que 350 000 membres. C'est quoi ? C'est une goutte d'eau dans un océan. Il y a tout à faire. La question à se poser, ce n'est pas combien on sera dans 10 ans. Dans 10 ans, bien sûr qu'on sera des milliards. Par contre, où est-ce que nous, on sera dans 10 ans quand on sera des milliards ? Et alors, je te pose une question. Si
Si je t'avais tendu l'opportunité d'être pionnier de Netflix à 15 ans, tu serais où aujourd'hui? Je pense que tu ne serais pas là en train de m'écouter. Je pense que tu serais déjà sur la Lune. Alors moi, je me suis dit quoi quand j'étais là? Parce qu'il faut savoir que j'étais à votre place le 20 mars 2020. Mais tout part d'une décision. Je me suis dit, j'ai pas envie de me mordre les doigts dans 5 ans. Vous savez la phrase « Ah, si j'avais su, je la déteste ». Non, qui ne tente rien n'a rien. C'est ça la vérité. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas. Alors, tu préfères toi en parler aux autres ou tu préfères que ce soit les autres qui viennent t'en parler? Parce que la vérité, c'est que si c'est la première fois que tu en entends parler, c'est certainement pas la dernière. Pour récapituler, tu as le VIP juste pour voyager, le pro et le élite qui t'ouvre la partie business. Tu as vu les réductions qu'on a fait sur les voyages, sur le shopping en ligne. Tu as vu le retour sur investissement que tu peux avoir. Tu trouves ça cher, 260 euros, pour démarrer un business comme celui-ci? Honnêtement, il n'y a rien à perdre. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le pack pro n'est pas à 185, il est à 70 euros. Oui, vous voyez, c'était jusqu'au 28 février. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Les choses arrivent au bon moment. C'était jusqu'au 28 février. Le pack élite est à 110 euros à l'heure où je vous parle. Ça dépend du cours du dollar, ok, j'ai fait des inscriptions, c'était 112. Ne soyez pas étonnés, c'est 112 euros. 110, 112, bon. Ok, ça c'était jusqu'au 28 février, sauf qu'ils l'ont prolongé jusqu'à lundi. Rendez-vous bien compte à côté de quoi vous aurez pu passer. Mais vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous parler en termes de dollars maintenant. Donc 112, 110 euros, c'est l'équivalent de 120 dollars. Vous payez 120 dollars one time, une fois, à vie, basta. Maintenant, vous payez 120 dollars, la plateforme vous crédite 120 dollars en points de fidélité utilisables directement sur voyage ou shopping en ligne. Ton adhésion, c'est comme si elle était gratuite aujourd'hui. Vous savez, j'ai payé mon pack plus de 300 euros. J'ai aucun regret vu le retour sur investissement que j'ai eu. Par contre, c'est clair que j'aurais bien aimé bénéficier de cette offre. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va s'autofinancer. Donc, on va aller chercher les trois premiers membres. Ce n'est pas compliqué. La société va vous récompenser pour ça. Pour vous remercier d'en avoir parlé autour de vous, juste parce que vous en avez parlé à trois personnes, elle va vous donner 100 dollars en cash. Et là, vous allez passer le rang de Silver. Souvenez-vous, Silver. J'attends que ça... Silver, vous êtes autofinancé. À chaque fois qu'on passe un palier, on a une prime. Et la prime de Silver est de 50 dollars en cash. J'ai mon PowerPoint qui bug. Hein. La prime de Silver est de 50 dollars en cash. Ça fait que tu trouves trois personnes, tu as 100 dollars de prime plus 50 de bonus parce que tu es Silver. Bah, du coup, tu récupères 150. Ton investissement aujourd'hui, il est à 120. C'est largement rentabilisé. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Et